une vidéo montrant un automobiliste peu avant d'être abattu lors d'un contrôle policier défraye de nouveau la chronique aux États-Unis. Le drame s'est déroulé le 30 décembre 2014. Il a été filmé par la caméra accrochée sur le tableau de bord de la voiture de police. Pensant apercevoir une arme dans la boîte à gants du véhicule, les policiers ordonnent à l'automobiliste de ne pas bouger et de lever les bras en l'air. Une situation de plus en plus confuse à mesure que le ton monte. Le passager de la voiture est abattu peu après. Depuis, la petite ville de Bridgeton est en émoi. Now, I believe the tape speaks for itself. Jerome Reed complied to the officers, the man, got out the car, and he received a hail of bullets. Les deux policiers, dont l'un est noir, ont été suspendus. Bavure ou non, ce nouveau cas s'ajoute à la longue liste de contrôles policiers qui ont eu une issue fatale et qui ont déclenché émeutes et manifestations ces derniers mois à travers tout le pays.